Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Avant de publier, si le Tout-Puissant le permet, les trois dernières vidéos de la série sur Amon-Ra, la divinité suprême de l'Égypte pharaonique, on a tenu à faire cette vidéo pour simplement appuyer un peu plus nos arguments et un peu plus démontrer que les langues du peuple originel rendent compte des hiéroglyphes comme aucune autre langue à travers le monde. Prouvant ainsi encore un peu plus ce que, en fait, on n'a plus besoin de démontrer, à savoir que les pharaons de l'Égypte antique sont nos ancêtres. Sauf que, à la différence d'avant, ici on arrive sur un terrain et à un stade où on ne dépend plus des témoignages des Grecs anciens comme Hérodote, le premier historien de l'histoire occidentale, Diodore de Sicile, dont on va quand même citer des extraits à la fin de cette vidéo. Mais on ne dépend plus non plus des Strabon, Plaute, Aristote, etc. Parce qu'on arrive à un stade où il faut que la connaissance de nous-mêmes, de notre culture, de notre histoire, de notre tradition, Kwankulu, serve à des choses pratiques. Parce que si aujourd'hui, on est à la traîne dans tous les domaines, en technologie, en santé, en architecture et j'en passe, il faut savoir que autrefois on était les premiers, non pas parce qu'on était intrinsèquement supérieur aux autres peuples, mais tout simplement parce que notre culture était l'héritage de ce que le Coran et la Bible nous dit à propos de Adam, le premier homme, c'est-à-dire que Dieu l'a enseigné tous les noms des éléments de la nature. Et cela implique forcément de connaître la fonction, la fonctionnalité de ces éléments, les réactions entre ces éléments. D'ailleurs, la chimie, ça vient de l'Égypte. Et donc, c'est cela qui donnait un avantage au peuple originel. Donc, on était les gardiens de la tradition spirituelle originelle que tous les peuples qui l'oubliaient venaient rechercher chez nous. Et donc, cela doit nous être utile pour les choses pratiques. Et donc, pour ceux qui disent justement que nous sommes des gens sans histoire, les noirs n'ont pas d'histoire, donc voilà, ils veulent récupérer les histoires des autres. Donc cette vidéo va être une bonne leçon pour les personnes qui pensent comme ça, quoique on n'a pas besoin de leur faire des leçons, ils ne nous intéressent même pas. Mais donc, on s'affranchit des témoignages externes. Mais on a aussi les témoignages internes que nous connaissons et qui déjà nous suffisaient. Mais que les gens qui allaient dire oui, mais nous on a l'esprit rationnel, cartésien, scientifique, etc., rejettent. C'est-à-dire le témoignage de la Bible, qui est un livre qui a été écrit par nos ancêtres du peuple originel, les Égyptiens, Israélites, sous la supervision des peuples qui les avaient dominés comme les Grecs et les Romains. Mais nos ancêtres avaient laissé dans chaque mot un indice pour le peuple originel au jour de son réveil spirituel. Et à ce moment-là, donc, tout cela lui sera profitable dans cette vie pour la vie future, éternelle. Donc, sans plus tarder, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Il y a deux ou trois jours, j'ai vu une publication de Dimbomba Ribok. C'était sur Facebook. Il a en fait fait une belle démonstration de comment lire la graphie en hiéroglyphe qui représente le nouvel an, la nouvelle année. Et ensuite, il a proposé à ses lecteurs de faire le même exercice mais dans leur langue respective. Car il est bien conscient de l'unité culturelle de nos peuples, du peuple originel, que ce soit les Nilotiques, les Bantous, les Ouest-Africains, etc. Il y a une unité culturelle, historique. Et donc, il a proposé cet exercice-là à chacun. Et Dimbomba Ribok, dans son développement, était arrivé au terme Pembe Mbu, donc pour désigner la nouvelle année. Et c'est un terme qui est tout à fait correct lorsqu'on suit la piste qu'il a proposée
et lorsqu'on suit son développement. Il a même mis en commentaire une vidéo YouTube qui faisait référence à la nouvelle année, prouvant donc l'exactitude de ses propos. Et il a écrit plus de 40 livres sur ces questions-là. Donc, pour ceux qui pensent que c'est par hasard qu'il arrive à avoir du résultat, eh bien, on n'arrive pas à écrire 40 livres si on ne trouve rien. Du coup, je me suis dit, je veux faire de même dans ma propre langue maternelle, le Lingala. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en Lingala, Pembe Mbu veut dire année blanche, c'est-à-dire une année qui est vide dans le sens de nouveau, car par exemple, une feuille blanche, c'est une feuille qui est vide, donc c'est une nouvelle page. De même, vide en Lingala se dit Mpamba. Donc Mpamba Mbu veut dire une année vide ou une année nouvelle. Mais par contre, si vous demandez à quelqu'un qui parle Lingala comment on dit nouvel an ou la nouvelle année en Lingala, il ne vous dira pas Pembe Mbu. Car chacun de nos peuples, en fait, privilégie la formulation de son choix, mais de manière tout de même ontologique. Il y a un sens à cela. Un sens profond et intrinsèque. Et donc, avec l'aide des hiéroglyphes, on va lire donc la graphie du nouvel an en Lingala. Et aussi, il faut préciser que lorsqu'il y a des divergences dans nos langues, il faut savoir qu'il y a eu des influences aussi qui sont arrivées, parfois de l'extérieur, qui se sont imposées d'elles-mêmes. Donc, le hiéroglyphe du nouvel an, en fait, se présente de la façon suivante. On a une tige ou une branche de palmier posée sur une corne de taureau. Et ensuite, on a ce qui fait office de déterminatif, c'est-à-dire un bol ou un petit bassin en albâtre, utilisé en fait pour la purification, c'est ce qu'on nous dit. Parce qu'il faut ne pas oublier que la nouvelle année était une grande fête ou une grande célébration en Égypte. Mais pour nous, célébration, fête rime avec spiritualité. Donc le déterminatif de ce bassin indique que la tige et la corne, donc la tige de palmier et la corne de taureau, représentent une fête. Donc, le déterminatif, lui, il nous aide à savoir de quoi il s'agit, mais il ne fait pas partie de la lecture. Vous avez par exemple d'autres exemples avec ce même déterminatif, comme par exemple pour la fête dite de l'Ouag. Donc, ce bassin d'albâtre en déterminatif montre que c'est une fête. Ou encore la fête de la nouvelle lune, qui est une fête d'ailleurs qui est bien connue dans la Bible, dont le sabbat, le septième jour en Lingala, Sambo, est en fait le quart de lune des anciens Égyptiens. Donc, tous les septièmes jours chez eux aussi sont des jours sacrés. Et regardez bien, pour ceux qui disent que les anciens Égyptiens sont des chamites et qui n'ont rien à voir avec les soi-disant bantous d'aujourd'hui, qui ont été en fait inventés par les anthropologues occidentaux, et qui disent que le Kikongo, le Lingala, etc., ce sont des langues sémitiques, hébraïques, mais que l'égyptien, c'est une langue chamite. Donc c'est proche des peuples peut-être de l'Afrique de l'Ouest, mais pas des peuples dits bantous soi-disant. Or, en hiéroglyphe, on représente la fête de la nouvelle lune par le dessin d'une lune et d'un aigle. Une lune et un aigle. Cela veut dire qu'il y a un lien métaphorique et sémantique évident entre l'aigle et la lune, notamment dans la prononciation. Vous pouvez aller vérifier en tapant lexique français Kikongo. Vous allez voir qu'en Kikongo, la lune se dit Ngonda. Et l'aigle se dit Mpungu. Ngonda, Pungu. Mais on dit aussi Nkunku ou Vungu. Donc, vous entendez toujours le ngou, le nkou, le ngou, le nkou, le ngo, etc. Et donc, c'est un lien évident qu'il y a entre Ngonda et Mpungu, ou Vungu, c'est le son ngo, nko, qui se dit aussi ngou, nkou, car le G et le K, en fait, sont pareils dans nos langues et sont interchangeables. Et il en est de même pour la lettre O et la lettre U qu'on prononce ou. Donc, dans nos langues. Le nko ou le ngo fait référence souvent à la hauteur, à la supériorité, à l'ancienneté et au cercle, la forme circulaire, la boucle, etc.
Et il se trouve que c'est justement le cas de la Lune, la hauteur, la supériorité, la grandeur, la boucle, le cercle. La Lune, donc, Ngonda en Kikongo, se dit en Tshiluba, qui est une des quatre autres langues, une des trois autres grandes langues en fait parlées au Congo. Eh bien, on dit la Lune Ngondo. Donc, c'est la même chose que Ngonda. En Tshiluba, c'est Ngondo. Et enfin, en Lingala, aigle se dit Engondo. Donc, c'est exactement le même mot que la lune en Tshiluba et en Kikongo. Donc, Engondo, Ngondo, Engonda. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi le hiéroglyphe égyptien présente la lune et l'aigle pour désigner la fête de la nouvelle lune. Car c'est la même prononciation. On retrouve les mêmes sons et les mêmes symboles. Du coup, l'ignorant va dire que les Égyptiens associaient l'aigle à la lune, tout comme ils vont dire qu'ils associaient un bélier avec Dieu, etc., etc. C'est en fait d'ignorer la profondeur ontologique de notre culture, de notre tradition, de notre Kwankulu. Et vous pouvez aller voir chez les Bassa du Cameroun et d'autres peuples en Afrique pour trouver les mêmes rapports. Par contre, en français et en anglais, pour la lune et l'aigle, on a moon et eagle. On ne sent aucun rapport entre les deux. Il n'y a aucun rapport direct dans la prononciation notamment. De même avec le latin, on a la lune luna, l'aigle aquila. En grec, ça donne fengari et aitos. Donc c'est sans rapport. Par contre, si on va avec ce qui vient du peuple originel, comme la Bible, on constate que aigle se dit Necher. Necher, quelque chose comme ça. Retenez bien le son esh ou cher. Maintenant, voyons la lune en hébreu. Il se dit Kodesh. Cela désigne aussi en fait le moi en hébreu. Mais il y a aussi le mot Yaresh. Yaresh, Kodesh, Necher, Necher. En amharique, la langue d'Éthiopie, pour dire la lune, on va dire Shereka, Shereka. Je prononce pas bien, je ne sais pas comment il prononce exactement, mais vous le sentez, Shereka. Et l'aigle, on va dire, donc déjà, Shereka, là, vous sentez que ça ressemble à Necher, Sherek, Necher. Et pour aigle, toujours en amharique, langue d'Éthiopie, on va dire Nesseri ou Nesheri. Donc, vous retrouvez toujours les esh. Enfin, en arabe, on va dire pour l'aigle Nasir, comme Nashir. Et pour la lune, ce sera Hilal. Mais en fait, ici, on a l'impression que c'est sans rapport. Mais il faut savoir que les Arabes, avant l'islam, adoraient beaucoup la lune parmi leur multitude de fausses divinités. Donc, ils lui ont attribué un nom de hauteur ou bien un nom du ciel, comme Olohulo en Lingala, etc. En Kikongo, on va dire Yulu pour dire le ciel ou Likolo, etc. en Lingala. Mais pour régler en fait ce problème en arabe entre l'aigle et la lune, il suffit d'aller chercher le mot moi, qui dans l'ensemble des langues du monde entier, même en anglais, quand on dit moon ou mont, ben c'est la lune, on parle de la lune. Donc, il faut maintenant aller chercher ce mot-là en arabe. Et là, on tombe sur le terme char. Char. Donc, comme l'aigle en hébreu, Nesher, ou en arabe, Nasir, en amharique, etc. Donc, vous voyez que c'est le même terme. Donc, les choses sont claires. Et le ngo. Donc le son go qu'on retrouve dans nos traditions, dans notre Kwankulu, dans notre Bokoko. Et en fait, c'est ça qui est probablement devenu le esh ou le sher des sémitiques, en sachant que ces langues, avec les prononciations actuelles, sont le fruit des influences des empires assyro-babyloniennes, perses, etc. Même les autres qui sont venus des régions du Caucase, etc., comme les Scythes, les Parthes, etc. Donc l'araméen, le syriaque, etc. Ce sont les résultats de tout cela. Donc,
Ce n'est pas parce que le Coran était révélé en arabe que la langue arabe n'a pas une histoire humaine. Et au passage, cela démasque en fait les égyptologues quand ceux-ci disent que la lune en égyptien c'est Iya. Alors qu'en réalité, on voit clairement qu'ils sont allés chercher des mots sémitiques en se disant voilà, ils sont actuellement les voisins des Arabes. Donc comme l'arabe va dire Hilal, donc ils ont été regardés dans les langues de ce coin-là, ils ont dit voilà, Iya, on va prendre ça comme ça, même si ça ne rend compte nullement des graphies hiéroglyphes, mais on voit où ils vont chercher un peu leur façon de faire. Mais en fait, on a dit que ce mot Hilal là ne rendait pas compte de la lune en tant qu'elle, puisqu'on vient de voir que le mot moi ressemblait à l'aigle, tout comme on l'a vu en hébreu et en amharique, des langues sémitiques, mais que ça faisait plutôt rapport à la hauteur. Par exemple, en arabe, pour le terme haut, suprême, etc., on dit Aïla. Ou en hébreu, on va dire Allah pour dire en haut. Et ça, vous pouvez le voir sur Google, tout ce que on est en train de vous montrer, même à l'image là, sur Google Traduction, donc c'est facile. Donc les égyptologues ont suivi une fausse piste. Tout comme en lingala, il faut savoir que certains vont se dire aussi, mais on dit souvent Sanza pour désigner la lune. Et le moi aussi, on va dire Sanza. Mais en fait, on fait référence à l'adoration ou bien au sacré, qui se dit Sanjoli ou Kosanjola. Adorer donc, comme lors de la fête de la nouvelle lune dans la Bible. Et en hébreu, on va dire Kodesh. Donc Kodesh pour nouvelle lune. Et pour la sanctification, bien la sainteté, on va dire Kodesh ou Kadosh, etc. Donc, c'est le même principe. Mais en lingala, la lune et le moi, donc Sanza, qui donne adoration sanctifiée, Sanzola ou Sanjola, le Z de la lune peut devenir J, en fait, qui vient lui-même du son G, donc Sanjo devient Sango, parce que le G chez nous, en tant que consonne, est toujours accompagné, on peut l'enlever, on peut le laisser d'un N, toujours avant. Donc c'est Sanjo ou Sango qui est clairement le son Ngo de la lune et de l'aigle, Ngondo, Ngondo, etc. Or en lingala, c'est ainsi que l'on appelle un prêtre, donc on dit Sango. Et la nouvelle, dans le sens de par exemple l'évangile, bonne nouvelle, celui qui apporte la parole de Dieu, on va aussi dire Sango. Donc pour dire la nouvelle. Ce qui renvoie à la nouvelle lune, tout simplement, ou à la lune elle-même. Et pour preuve, on a vu qu'en lingala, l'aigle s'appelle Ngondo. Mais il y a mieux. L'oiseau ibis se dit exactement aussi Ngondo. Or, l'ibis est la représentation de la divinité égyptienne de la sagesse, donc Thoth, qu'on appelle aussi Djéhouti, qui, comme vous pouvez le voir, est connu pour être associé à la lune. Wikipédia nous dit Thoth capte la lumière de la lune dont il régit les cycles à tel point qu'il fut surnommé le seigneur du temps. On sait que la lune est beaucoup reliée au temps, notamment le mois. Plus loin, Wikipédia nous dit dans son folklore habituel, Thoth représente l'intelligence divine, il incarne la parole divine, c'est le dieu de la lune, le dieu des guérisseurs, le dieu des scribes et le patron des magiciens. Et maintenant, regardez ces images de Thoth avec la tête de l'oiseau ibis et avec la lune sur la tête. Et ensuite, on va aller dans le dictionnaire français Lingala, donc de la francophonie, où on nomme l'ibis le serpentaire. Et la raison est écrite juste en dessous, oiseau de grande taille qui se nourrit de serpents. Et si vous allez dans le site JF Bradu, à la rubrique Égypte antique animaux, on nous dit à propos de l'ibis, rappelons que Thoth était le dieu de l'écriture. De même, le bec de l'ibis est assimilé à un instrument d'écriture. Le bec de l'ibis est le doigt du scribe. Garde-toi de le faire déraper, recommande l'enseignement d'Aménopée. Bref, Aménémopée, c'est
un texte de l'Égypte antique de sagesse, un texte ancien. Donc, on continue. Le bec de l'ibis est aussi valorisé en tant que massacreur de serpents. En tant que massacreur de serpents. Et on nous dit, Thoth étant aussi le dieu de la lune, il pourrait y avoir un symbole dans le plumage de l'ibis, etc. Bref, on s'arrête là. Or, si vous tapez ibis et serpent, par exemple dans Google Images, vous allez tomber sur des tas d'images où on voit un ibis manger des serpents avec son long bec. Donc, maintenant, on sait que l'ibis est bel et bien le fameux serpentaire du dictionnaire Lingala français. D'ailleurs, vous le voyez bien à l'image. Et vous voyez que cet oiseau s'appelle en Lingala Ngondo. Donc, exactement comme l'aigle Ngondo. Or, on a vu clairement que l'aigle en hiéroglyphe est un mot similaire à la lune. Et maintenant, on voit que l'ibis animal représentant Thoth, une divinité associée directement, intrinsèquement à la lune, lui aussi est appelé Ngondo. Donc, on voit comme l'Égypte antique explique notre tradition, le Kwankulu, avec une incroyable facilité, et inversement, nos langues expliquent les hiéroglyphes de la même manière. Donc, Ngondo, la lune et l'aigle Ngondo, Ngonda, la lune, Gondo, etc. Donc, c'est le même terme. Donc, ces dessins ne sont pas mis là par hasard. Donc, le Lingala, le Kikongo, le Chiluba, le Bassa, le Douala, le Zulu, l'Arabe, l'Hébreu, l'Amharique, Mandingue, Wolof, etc. sont reliés au même Kwankulu, dont l'écriture sacrée et universelle des anciens Égyptiens est tout simplement la manifestation visible. Et pour démontrer incontestablement et définitivement que même en Lingala, la lune se dit bel et bien Ngondo, comme on l'a vu en Chiluba et en Kikongo, malgré que le dictionnaire de la francophonie a négligé de le mentionner et s'est contenté du terme Sanza, eh bien sachez que si beaucoup de dictionnaires, tout comme en arabe avec Hilal, un mot du ciel pour dire la lune, on a privilégié le terme Sanza, un mot du sacré en Lingala. Cependant, tout comme en arabe, il a fallu chercher le terme moi, donc char ou sar, pour trouver le lien avec Nasir, aigle en arabe, ou Necher en hébreu. Eh bien, en Lingala aussi, il est facile de démontrer que Ngondo veut bel et bien dire la lune, fait clairement référence à la lune, car le terme menstru, qui même en français veut dire mensuel, car cela arrive à la femme environ tous les un mois, et qu'on sait que le mois vient du cycle de la lune, eh bien en Lingala, menstru se dit Sanza, donc exactement comme la lune. Et il se trouve que pour désigner la fille vierge, on va dire Ngondo, tandis que pour désigner la fille ou la femme qui vient d'avoir un enfant pour la première fois, on va dire Bo Ngondo. Donc, on voit tout de suite le rapport entre la fille vierge Ngondo, qui ensuite commence à avoir ses menstrues Sanza, donc commence à être capable de mettre au monde pour la première fois. Donc, il y a un lien clair et établissant par la même occasion la preuve que Ngondo et Sanza sont des mots liés à la lune, qui elle-même est liée à ce qui concerne l'organe de reproduction de la femme depuis sa virginité jusqu'à son premier enfant en passant par les menstrues. Donc c'est une logique et les choses sont claires. C'est simplement le terme Sanza qui est venu en fait se glisser au milieu, alors qu'à la base, c'était pour Sanzola, donc l'adoration, le culte, etc. Mais Ngondo, c'est le terme clé, c'est le terme originel, puisque on l'a vu en Kikongo, en Chiluba, etc., des langues similaires au Lingala. En bref, ça c'était la grosse parenthèse là, qu'on a voulu montrer, que le bassin ou l'assiette d'albâtre dans le hiéroglyphe du Nouvel An est en fait un déterminatif qui désigne une fête
Donc, il ne fait pas partie de la lecture. Donc, il ne reste plus qu'à nous concentrer sur la tige ou la branche de palmier dépouillée de ses feuilles et qui est posée sur une corne de taureau. Donc, vous pouvez voir le sens de chacun de ces deux signes-là lorsque ils sont séparés. Donc, vous avez bel et bien une corne et une feuille de palmier ou une branche de palmier. Maintenant qu'on sait cela, regardez comment en lingala les choses vont tout seul. Donc, on cherche en quoi ce dessin veut dire le nouvel an. Eh bien, allons voir donc le mot corne en lingala. Et on voit que l'on dit liseke. En fait, le li est un préfixe, donc on peut l'enlever. Et d'ailleurs, au pluriel, on va dire maseke. Donc, le li a changé en ma. Donc, la racine consonantique est sk. Ensuite, comment dit-on le palmier en lingala? Eh bien, c'est le terme mbila. La racine consonantique est mbl. Donc, on se retrouve avec les racines consonantiques mbl et sk. Et logiquement, le terme nouvel an, forcément, doit être en rapport avec ces deux racines consonantiques et les deux termes qu'on a cités qui vont avec. Maintenant, donc, on va pas se fatiguer puisque toute personne qui parle lingala sait comment on dit nouvelle année en lingala. Et il se trouve que le terme nouveau se dit sika. La racine consonantique est sk. Ensuite, le terme qui désigne l'année est mbula. Racine consonantique mbl. Et donc, pour dire nouvelle année en lingala, on va dire mbula ya sika. Donc, je crois que vous voyez clairement les choses. Et si vous tapez Mbula ya Sika sur YouTube, vous allez tomber sur des tonnes de vidéos en lingala, comme par exemple la célèbre émission Où en sommes-nous en lingala, on dit Tokomi Wapi, du 1er janvier 2018. Titre donc Tokomi Wapi, le 1 du 1 2018, Tobandi Mbula ya Sika Ndenge Nini. Ce qui se traduit par Où en sommes-nous? Le 1 du 1 2018, comment commençons-nous la nouvelle année? Donc vous voyez que ça date du 1er janvier 2018. On peut trouver une autre vidéo qui dit spécial bonne année avec les Quinois, Botalandenge, Banakin, Basilisi, Mbula et puis Bakoti Mbula Yasika. Ça veut dire spécial bonne année avec les Quinois. Regardez comment les enfants de Kinshasa ont terminé l'année et puis comment ils sont entrés dans la nouvelle année, etc., etc. Vous avez plein d'exemples. Et avec cela, il se trouve que certains disent que les Bantous, sémites, soi-disant, n'ont aucun rapport avec les Égyptiens, soi-disant chamites, alors que les hiéroglyphes sont la plus ancienne écriture du monde avec minimum plus de 5000 ans d'existence. C'est pas parce qu'on a dit Hamite ou Shamite avec ces mythes dans la Bible qu'il faut les distinguer. C'est comme si on voulait nous faire croire que Sem et Cham, qui sont deux frères, en réalité, ben, ils n'ont aucun rapport, ils n'ont aucun lien de sang. Dès lors qu'ils ont des enfants, leurs enfants ne sont pas des cousins, ils ne sont pas de la même famille, ils ne se connaissent pas. Voilà un peu le raisonnement que certains appuient. Or, en latin, en grec, etc., il n'y a pas de rapport entre les mots, par exemple, corne ou nouveau, ou bien année et palmier. Tandis qu'en hiéroglyphe et dans nos langues, oui, on le voit clairement. Est-ce que ça, c'est un hasard de 5000 ans d'âge? Je me suis même amusé à déchiffrer les variantes de cette graphie-là, avec la corne qui reste là, mais la branche de palmier n'est plus là. Donc, cette branche-là est devenue en fait le déterminatif. Mais il y a deux autres images en plus, et là encore, j'ai trouvé en lingala. Donc, pour ceux qui croient au hasard, eh bien, qu'ils sachent que si vous arrivez et que vous prenez l'Énéade, c'est-à-dire les neuf divinités primordiales de l'Égypte antique, et que cela fonctionne de la même façon, tout aussi bien, alors
cela devient incontestable. On parle des neuf divinités primordiales de l'Égypte, ces divinités qui ont accompagné toute l'histoire de l'Égypte antique. Et ça fonctionne de la même manière. Et non seulement on l'a fait, mais avec bien plus de divinités, de mots, de termes, des symboles, etc. Et on vous a déjà montré ici un échantillon avec Thoth. Et dans la septième vidéo de la série sur Amon-Ra, on parle en longueur, on prend le temps de parler de l'origine du terme bantou. Donc d'où ce mot est venu? Pourquoi est-ce que les Égyptiens portaient ce nom-là? Il y a des milliers d'années, bien avant que les anthropologues occidentaux commencent à vous dire non, oh, vous séparez, vous êtes les Bantous et ce sont les Nilotiques, eux sont les Soudanais, ce sont les je ne sais quoi. Donc, aujourd'hui, on veut maintenant enlever ce titre-là de Muntu, de Bantou aux anciens Égyptiens. Mais on va voir que nous disent le Kwan, que nous dit le Kwan Kulu. Donc, en bref, ici, on a montré des exemples de ce Kwan Kulu. Mais il ne faut pas croire cependant que c'est facile. Parce que on vous a présenté les choses ici rapidement. Mais non, il faut savoir que nos ancêtres ont caché une sagesse incroyable dans ces hiéroglyphes et dans nos langues. Et donc, en tout cas, ils l'ont préservé puisqu'ils l'ont hérité. C'est Dieu qui a enseigné les langues originelles. Et donc, c'est une sagesse qu'il faut acquérir pour mieux comprendre ces hiéroglyphes-là. Donc, on n'arrive pas au hasard en se disant non, non. Déjà, il faut comprendre une chose qui est très importante. Par exemple, le terme vie en français. Quand vous dites vie en français, ben, si vous parlez pas le français, vous n'allez rien comprendre. Et même si vous parlez français, vous allez savoir c'est quoi la vie, mais automatiquement, il n'y a aucun autre mot qui est en rapport avec la vie. Tandis que chez nous, en Lingala, même un enfant de 5 ans, de 10 ans, qui dit Bomoi, il sait que Bomoi, c'est Moi, la lumière du jour, c'est Moi, donc le soleil, donc il sait beaucoup de choses là-dessus. Parce qu'on n'a pas été prendre des constructions de mots, des langues inventées. Comme ça, non, on parle d'ontologie. Donc il y a une logique propre à chaque terme. Donc, c'est pourquoi lorsque on va vous dire vie, il faut pas aller vite, faut pas commencer à vous précipiter vie, mais d'abord, il faut d'abord trouver le terme le plus approprié à la vie. Par exemple, la croix Ankh symbolise la vie, mais ça veut pas dire la vie. Donc, celui qui croit que vie et Ankh c'est la même chose, c'est-à-dire que en Lingala, il croit que quand il voit la croix Ankh et qu'il faut traduire ça par vie, il s'est déjà trompé. Parce qu'il doit bien comprendre qu'est-ce que représente cette croix-là. Bon, on va essayer de vous faire l'exercice dans une autre vidéo. On aurait voulu faire dans celle-ci, mais on voit que ça commence déjà à prendre du temps. Donc on va pas la faire ici, mais peut-être on va la faire après. Mais pour terminer cette vidéo, on va lire en fait un extrait du livre 3 de Diodore de Sicile, qui est l'un des plus grands historiens gréco-romains. Il a vécu à 2000 ans, dit-on, à l'époque de Jules César, dont il était donc un ami, en tout cas, à ce qui paraît, il le connaissait bien. Et son livre 3 est consacré à l'Éthiopie. On a déjà beaucoup, beaucoup cité cet historien-là, si vous avez suivi les autres vidéos. Et il se trouve que c'est lui qui a dit ceci. On soutient que les Éthiopiens sont les premiers de tous les hommes et que les preuves en sont évidentes. Donc ça, c'est Diodore de Sicile dans son livre 3, chapitre 2. Plus loin, il dit, on prétend aussi que les Éthiopiens ont les premiers enseignés aux hommes à vénérer les dieux. En fait, à vénérer Dieu. Les Grecs ont parlé ou les Romains ont parlé selon leur propre conception des choses, mais à vénérer Dieu, à leur offrir des sacrifices, à faire des pompes, des solennités sacrées et d'autres cérémonies par lesquelles les hommes pratiquent le culte divin. Donc c'est toujours Diodore de Sicile dans son livre 3, chapitre 2. Donc il dit que ce sont les Éthiopiens qui ont enseigné
à l'humanité le culte divin, la spiritualité, la religion, la croyance, la foi. En tout cas, par précepte. Et non pas simplement ils les ont enseignés, non. C'est clair et certain que les gens savent. Mais l'enseignement, les préceptes, la compréhension, les pratiques, chaque geste a son importance et ainsi de suite. Il dit encore, les Éthiopiens disent que les Égyptiens descendent d'une de leurs colonies. D'une de leurs colonies. Donc c'est une colonie égyptienne. Donc ce sont éthiopiennes. Donc ce sont des Éthiopiens qui sont partis fonder l'Égypte. Donc des Noirs, du peuple originel. Donc il dit, les Éthiopiens disent que les Égyptiens descendent d'une de leurs colonies qui fut conduite en Égypte par Osiris. Et ils ajoutent que ce pays n'était au commencement du monde qu'une mer, mais qu'ensuite le Nil, charriant dans ses crues le limon emporté d'Éthiopie, a peu formé des atterrissements. Ça, c'est Diodore de Sicile, livre 3 au chapitre 3. Et nous savons que les sources du Nil sont au centre de l'Afrique à l'est, dans la région des Grands Lacs. C'est donc de là que sont originaires les Égyptiens et les Éthiopiens. Et surtout Osiris, de qui vient le nom Jésus-Christ. On nous a dit soi-disant que ce nom vient de Yehoshua Al-Mashiach ou Al-Mashiach. Mais on verra si Dieu veut que cela vient du nom de Osiris dans les langues du peuple originel. Et en particulier, c'est très clair avec le Lingala. Mais pour finir, voici ce que Diodore de Sicile nous rappelle de merveilleux et que d'ailleurs Dibomba Rimbok ne cesse de répéter. Il dit ceci, afin de ne rien omettre de ce qui peut intéresser l'histoire ancienne, disons maintenant un mot des caractères éthiopiens, appelés hiéroglyphiques par les Égyptiens, les caractères éthiopiens appelés hiéroglyphiques par les Égyptiens. Donc c'est Diodore de Sicile, livre 3, chapitre 4. Donc premièrement, il nous apprend que cette écriture vient des Éthiopiens, qui sont les ancêtres directs des Égyptiens, et dont il situe l'origine dans la région des Grands Lacs, donc aux sources du Nil. Ensuite, il ajoute, aussi le sens de leur écriture n'est-il pas le résultat d'une réunion de syllabes? Mais il ressort de la signification métaphorique des objets tracés, signification que l'exercice grave dans la mémoire. Fin de citation. Toujours Diodore de Sicile, livre 3, chapitre 4. Donc, il dit que les hiéroglyphes ne sont pas un alphabet, A, B, C, D, E, F, G, etc. Comme l'alphabet latin, ou comme les égyptologues sont venus nous faire croire. En plus des bilitères, des trilitères, etc., il y a un alphabet là. Vous pouvez le voir à l'image. Et ce, comme si on pouvait avoir un alphabet avec des milliers de caractères, comme c'est le cas pour les hiéroglyphes. Mais Diodore de Sicile nous dit qu'il s'agit plutôt de signification métaphorique des objets tracés. Si vous allez sur le site Langue française, donc le site de référence sur le français, on dit ceci de la métaphore. Une métaphore est une figure de style qui consiste à désigner une idée ou bien une chose en employant un autre mot que celui qui conviendrait. Ce mot est lié à la chose que l'on veut désigner par un rapport de ressemblance, donc deux mots qui se ressemblent. Donc, comme on l'a vu, pour écrire nouvelle année, les Égyptiens dessinaient une tige de palmier, Mbila, comme métaphore ressemblant au terme année, Mboula. Donc Mbila et Mboula. Et la corne séquée en tant que métaphore du terme nouveau, Sika. Donc les choses sont très claires. Comme on a dit, Diodore de Sicile a vécu il y a 2000 ans et il avait déjà dit cela. Donc, il n'y a aucun hasard que les langues du centre de l'Afrique, où étaient originaires les Égyptiens, soient si familières avec les hiéroglyphes, même si c'est le cas pour beaucoup d'autres langues,
Parce qu'il faut que vous sachiez que au temps des anciens, au temps des ancêtres du peuple originel, les peuples de l'Afrique de l'Ouest, leurs ancêtres, que ce soit ceux qui sont de l'Est, du Sud, du Nord, etc., ne formaient qu'un seul peuple. C'était le peuple originel. Mais bon, on l'a déjà beaucoup répété et on en reparlera s'il faut encore, si Dieu veut. Et pour terminer, Diodore de Sicile a aussi dit ceci dans son livre 1 consacré à l'Égypte. Il a dit, selon leur histoire, les Égyptiens ont disséminé un grand nombre de colonies sur tout le continent. Bélus, que l'on dit fils de Neptune et de Libya, conduisit des colons à Babylone. Établi sur les rives de l'Euphrate, il institua des prêtres qui étaient, comme ceux d'Égypte, exempts d'impôts et de toute charge publique. Les Babyloniens les appellent Chaldéens. Donc, fin de citation, Diodore de Sicile, chapitre 1, au verset. Non, chapitre. Non, livre 1, chapitre 28. Et ça, c'était une petite dédicace pour Abraham, que la Bible dit qu'il était originaire d'Ur en Chaldée. Donc, c'était un Babylonien. Et c'était des Noirs. C'était des gens originaires d'Égypte. Et les Égyptiens même sont originaires d'Afrique noire. Et enfin, Diodore de Sicile ajoute, les Colchidiens du pont et les Juifs. Les Colchidiens du pont et les Juifs placés entre l'Arabie et la Syrie descendent aussi de colons égyptiens. Descendent aussi de colons égyptiens. Ce qui explique l'usage qui existe depuis longtemps chez ces peuples de circoncire les enfants. Cet usage est importé de l'Égypte. Fin de citation. Diodore de Sicile, livre 1, chapitre 28. Donc, la parenté est claire entre Israélites, Égyptiens et Éthiopiens, originaires des grands lacs africains, donc originaires tous du peuple originel. Donc ça, c'était pour ceux qui veulent séparer. D'un côté, tu as ceux qui vont dire, nous sommes bantous, israélites, sémites, nous rejetons les chamites, égyptiens, ouest-africains, africains de l'Est, tutsi, nilotiques, etc., etc. Il n'y a que nous, les israélites. Et pour les autres qui vont dire, nous, les kamites, les kémétiques, on rejette votre Bible, vos israélites, vos Abraham, votre islam, etc. Nous, on rejette tout ça. Et là, on vous ramène tous à la maison. Donc, paix, vie, force et sentence, salutations.